On cherchait un mot, une appellation qui nous ressemble, puis qui ressemble aux élèves qu'on reçoit. La classe Harmonie, c'est en fait, les élèves, c'est comme un arbre avec des couleurs, des feuilles différentes. Mais pour avoir un arbre en santé, ça leur prend des racines. Les racines, là, c'est nous, c'est les éducateurs spécialisés, c'est les parents, c'est la famille, les oncles, les tantes, grand-maman, grand-papa. C'est tous les gens qui vont graviter autour, qui vont venir leur apporter un soutien, qui vont venir leur apporter leur aide pour les pousser plus loin, pour les rendre le plus autonomes possible. Fait que la classe Harmonie, c'est les racines. C'est chacun de nous qui aide l'enfant à grandir puis à avoir ses propres couleurs. Je travaille avec deux superbes éducatrices spécialisées d'expérience. Donc, ensemble, c'est l'équipe Harmonie. Il y a des gens qui s'y gravitent autour de nous, les parents, les premiers intervenants. Souvent, certains ont des soutiens de partenaires externes. Fait que l'équipe, là, on est un noyau, mais autour de nous, là, il y a plein de racines qui nous aident à trouver des solutions, à faire différent, à essayer des nouvelles approches, à essayer des nouveaux outils pour amener l'élève à cheminer. Notre objectif premier, c'est que ça corresponde aux besoins. Tout ce qu'on va faire, c'est jamais des objectifs qui sont généraux, mais toujours que ça va correspondre à l'enfant. Si dans son développement, il est rendu là, on va lui donner ça. Pour qu'il vive des réussites, pour qu'il soit heureux de venir à l'école, qu'il ait du plaisir. Les ateliers, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place, où ce que les élèves peuvent choisir soit leur activité, soit leur partenaire d'activité. Puis c'est toute une mise en place illustrée avec des pictogrammes, avec des bacs d'activités qu'ils vont devoir aller chercher à un endroit spécifique dans la classe. Puis, on va travailler l'autonomie d'être capable d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont. Bon, qu'est-ce que je fais moi ce matin? Avec qui je vais le faire? Je vais aller chercher le bac, je vais aller m'installer, je vais réaliser l'activité. Il y a une ouverture de la part du personnel de l'école pour les intégrer dans leur cours, que ce soit en éducation physique, en anglais. Même parfois en maternelle, première année, quand on fait de la conscience phono, bien, eux, parfois au premier cycle, c'est plus intense. Bien, nos élèves peuvent en bénéficier si c'est leur besoin. Une ouverture là, de tout le monde, de tout le personnel enseignant pour nos élèves. Hey, je fais une activité, est-ce que tu veux m'envoyer un élève? Oui. Les élèves sont contents d'aller retrouver leurs amis, de faire différent. Bon, des fois, ils sont un petit peu anxieux de partir, mais ils sont tellement heureux de revenir. Puis là, ils montrent leur produit fini. Fait que c'est ça qu'on vit. La beauté du service, c'est qu'on prend le temps de les aider.